Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui, dans cet épisode de L'éclat du cristal, on va revenir sur un personnage qui apporte un soutien indéfectible aux héros de Final Fantasy XV, Iris. Attention, cette vidéo va rentrer dans les détails et contient donc des spoilers. Iris, amie Cythia, est un personnage invité de Final Fantasy XV. Elle est la sœur cadette de Gladiolus et la fille de Clarus, amie Cythia. Elle est la fille aînée de la maison Amicitia. Iris a de courts cheveux bruns foncés et des yeux marrons. Dans l'art conceptuel et dans son rendu officiel, elle porte un sweat à capuche sans manches noires et rouges et une mini-jupe à motif tartan noir et rouge. Dans le jeu, les accents rouges de sa tenue sont marrons. Elle porte des bottes à talons noirs avec des semelles rouges. Elle a un tour de cou en cuir et un collier avec un pendentif rond noir. Elle porte deux ceintures avec une chaîne suspendue attachée à sa jupe. Elle a un cordon rouge enroulé autour de son poignet gauche et un bracelet en cuir sur son autre poignet. Connaissant Noctis et Ignis depuis son enfance, Iris est une amie de confiance de la suite royale de Noctis. C'est une fille forte qui essaie de rester positive même dans des situations difficiles. Elle est indépendante et têtue. Iris a le béguin pour Noctis depuis qu'ils se sont rencontrés pour la première fois dans leur enfance. Mais elle sait que leurs étoiles ne sont pas censées s'aligner et jure donc de ne jamais agir sur ses sentiments non partagés. Le frère aîné d'Iris, Gladiolus, agit comme le bouclier du prince Noctis, comme leur père le fait pour le roi Régis. Quand Iris avait environ 5 ans, Gladiolus s'est plaint qu'un Noctis de 10 ans était coincé et ne l'a pas respecté. Iris est intervenue lors d'une de ses diatribes et est venue au palais le lendemain pour voir Noctis. Gladiolus était gêné de voir sa sœur vouloir rencontrer le prince et a essayé d'expliquer ce que ce serait impossible. Quand elle a fait une crise de colère, on lui a dit qu'elle pourrait le rencontrer brièvement. Alors qu'elle attendait de voir Noctis, Iris a été distraite par un chat dans le jardin du palais et l'a suivie. Elle a par inadvertance attiré l'attention de Noctis alors qu'elle poursuivait le chat et errait dans le jardin et un passage souterrain, se retrouvant à l'extérieur. Il a commencé à pleuvoir dans les bois et elle a réalisé qu'elle était perdue. Noctis la rattrapa et lui demanda son nom. Il connaissait le chemin du retour car il y jouait parfois et ils ont accepté de garder l'escapade secrète. Elle a révélé à Noctis que Gladiolus était son frère. Après leur retour au palais, Gladiolus était en colère contre la disparition d'Iris. Noctis a pris le blâme, affirmant qu'il était allé jouer dehors et lui avait demandé de l'accompagner. Il a été réprimandé pour avoir quitté le palais et a été puni. Gladiolus a reçu des excuses, mais il a pris lui-même le blâme, disant que c'était de sa faute pour l'avoir laissé hors de sa vue. Plus tard, dans la nuit, une Iris en larmes lui avoua la vérité. Apprendre comment Noctis avait aidé sa sœur a adouci Gladiolus, et les deux se sont liés d'amitié. La veille de son départ prévu pour Alticia, Noctis et Ignis se rendent à la citadelle pour voir le roi Régis, mais découvrent qu'il est trop occupé pour les rencontrer. Ils rencontrent Iris dans le hall, en train de parler avec l'oncle d'Ignis, demandant à voir son père qui est toujours en réunion. Elle a apporté des vêtements de rechange pour son père, car il a été si occupé ces derniers temps par les préparatifs du traité de paix qu'il dort à la citadelle. Iris est triste de ne pas pouvoir assister au mariage de Noctis et Luna Freya. Lorsque le soldat des lames royales blessé, Libertus Ostium, rentre chez lui ce jour-là, il trébuche et ses béquilles tombent de sa prise. Iris l'aide et se présente. Elle explique que son père et son frère sont dans la garde de la couronne et qu'elle est amie avec le prince.
Libertus pense qu'Iris a raté Noctis en quittant la citadelle et appelle son ami Nix Ulrich pour confirmer que Noctis est déjà chez lui. Iris est triste parce que le jour était un jour spécial. Elle a le numéro de Noctis mais ne l'a jamais appelé avant parce que Gladiolus serait en colère. Libertus encourage Iris à appeler quand même, et Iris le fait. Elle dit à Noctis de faire attention à lui, lui souhaitant tout le meilleur, mais est toujours triste après leur conversation. Iris était à Insomnia le jour de l'attaque de la ville et a été escortée par les membres de la garde, Monica et Dustin. Iris a fui avec d'autres réfugiés et le chambellan de la famille Amicitia, Jared, Esther et son petit-fils Talcott. Ils se sont dirigés vers la ville de Lestalum, dans les terres lointaines du Lucis. Elle appelle Noctis sur son smartphone pour lui faire savoir où elle se trouve et pour confirmer que la nouvelle de son décès est fausse. Lorsque Noctis lui rend visite à Lestalum, Iris lui dit que Luna est sortie d'Insomnia en toute sécurité. Lorsque Titan commence à essayer de communiquer avec Noctis, il commence à avoir des maux de tête et se repose. Iris lui fait visiter la ville le lendemain, ravie de passer du temps seule avec Noctis. Elle reste à Lestalum pendant que le groupe visite le disque de Cotes. Pendant leur absence, Gladiolus contacte Iris pour lui demander si elle peut installer le navire royal à Cap Caeb. Jared est tué en protégeant Iris de Caligo, un commandant de Niflheim. Cela traumatise Talcott qui rêvait de suivre les traces de son grand-père. Iris cherche à fuir vers l'avant-poste abandonné de Cap Caeb en bord de mer avec Talcott pour éviter de nouvelles effusions de sang. Gladiolus insiste pour qu'Iris et Talcott les accompagnent à Caeb où le navire du roi Régis se trouve dans le port secret. Sur leur chemin, l'une des forteresses volantes de l'Empire atterrit à quelques pas du vieux Lestalum et Noctis et ses amis s'y aventurent pour se venger de Caligo pour avoir tué Jared, laissant Iris derrière lui. Après leur retour, ils font plusieurs arrêts au stand sur le chemin de Caeb où Talcott et les membres de la station de Hammerhead les attendent. À Caeb, Iris et Talcott s'installent dans une maison abandonnée à l'ombre du phare et elle prépare une chambre pour que Noctis y passe la nuit. En entendant Talcott parler du lac où ils peuvent trouver du mithril, elle les dirige vers le lac Vesper dans le nord de Claigne. Elle reste à Caeb et démarre une ferme maraîchère que Noctis peut aider à entretenir. Si Gladiolus a demandé à Noctis de cueillir des fleurs plus tôt, il peut les donner à Iris, la ravissant. Après que l'équipe ait libéré la centrale électrique de Lestalum des démons, Iris donne à Noctis une poupée Moogle, disant que c'est son porte-bonheur. Lorsque Noctis part pour Alticia sur le navire du roi Régis, Iris et les autres sont là pour lui dire au revoir. Iris et Talcott écoutent plus tard une diffusion du discours de Luna Freya ensemble. Après que Noctis ait quitté le Lucis, la lumière du jour disparaît rapidement du monde. Iris et Talcott migrent vers Lestalum et elles commencent à aider Cor Leonis, le marshal de la garde royale, en évaluant les dégâts causés par les attaques de démons et en répondant aux besoins des survivants. Elle ouvre une boutique de vêtements qui vend des vêtements d'occasion ainsi que certains qu'elle a fait elle-même. Elle veut aider à combattre les démons, mais Cor ne la laissera pas faire car c'est trop dangereux. Il cède plus tard et Iris devient un chasseur de démons, connu sous le nom de tueur de démons. Lorsque l'aide au rétablissement de Niflheim dans Insomnia est abattue par les démons qui ont pris le contrôle de la ville, Iris et Cor évacuent les citoyens. Lorsque Noctis revient après une absence de 10 ans pour ramener la lumière dans le monde, il ne rencontre pas Iris, mais apprend ce que elle et ses amis sont devenus. Elle l'appelle et veut lui parler en personne pour lui dire quelque chose, mais cela ne se fera pas. «
Iris est un membre invité du chapitre 6 et fait également partie de certaines scènes et quêtes facultatives. Sa technique s'appelle Eclipse et endommage les ennemis et peut tuer les ennemis impériaux sur le coup. Cependant, elle reste principalement en retrait et encourage l'équipe et les guérit. Elle donne aux joueurs le leurre peluche Moogle à utiliser au combat et c'est elle qui le répare lorsqu'il est endommagé. Malgré que Iris n'a un rôle que d'invité dans le jeu, elle a fait tout de même des apparitions dans d'autres jeux de la saga et parfois même en tant que personnage jouable. Il est possible donc de voir Iris dans Final Fantasy Airborne Brigade, Final Fantasy Record Keeper, Final Fantasy Brave Exvius, Mobius Final Fantasy, et dans le Trading Card Games de Final Fantasy en tant que carte rare de l'Opus 12. Concernant les anecdotes, Iris a été conçue par Roberto Ferrari. L'existence de la sœur de Gladiolus a été révélée pour la première fois dans Final Fantasy XV épisode Duskae, où Gladiolus et Noctis partaient à la recherche d'un bijou que la sœur de Gladio aurait perdu lors d'une quête. La version 1.0 de Final Fantasy XV avait moins de murs invisibles, permettant aux joueurs de sauter au sommet du pont du vieux Lestalum avec un chocobo de haut niveau et de plonger dans l'eau et de nager jusqu'à Alticia. De cette façon, le joueur pouvait garder Iris dans l'équipe dans des zones où elle n'est pas censée être disponible en retournant dans le passé avec Umbra à l'hôtel d'Alticia. Le seul endroit où Iris ne peut pas venir avec ce bug était le lac Vesper qui n'est pas encore disponible quand Iris est une invitée. Pour finir, Iris est doublée par Megumi Han en japonais, par Eden Rigel en anglais et par Adeline Chetaille en version française. Voilà qui conclut cet épisode concernant la petite sœur de Gladiolus, j'ai nommé Iris. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, vous savez que si vous avez une sœur, elle peut être un allié de taille et donc qu'elle pourrait vous donner un avantage certain pour regarder le prochain épisode de L'éclat du cristal.